Donc bienvenue à tous, ici nous sommes donc au premier étage sur 9. Vous avez une porte semi-sécurisée avec double verrou et alors un large hall d'entrée afin d'éventuellement ranger tout ce qui est porte-manteau et autres. Ici nous avons une toilette séparée avec un évier. Par la suite, nous avons ici une cuisine super équipée avec tout ce qui est taco gaz, four, lave-vaisselle, frigo, congélateur. Comme vous pouvez le constater, on a tout mis du arboré. Toute l'électricité de l'appartement vient d'être faite. Nous avons deux chambres, donc une chambre de 10 mètres carrés ici à ma droite. Et le gros avantage des chambres, c'est qu'elles sont situées côté arrière, donc à l'opposé de la rue. Vous avez ici une salle de douche avec emplacement pour machine à laver et sèche-linge. Et ensuite, la seconde chambre de 13 mètres carrés, à nouveau, qui donne vers le côté arrière. Quand je poursuis ma visite, vous avez ici un large living de 34 mètres carrés avec un accès vers une terrasse orientée est. Tous les châssis viennent d'être remplacés, donc c'est pour ça que nous avons un bon PEB, c'est un PEB D+. Et alors, la copropriété, donc l'immeuble, vient d'installer une toute nouvelle chaudière. Donc au niveau des charges, vous allez payer une provision de 250 € par mois et cela comprend donc tout ce qui est eau chaude, eau froide, chauffage et charges communes. Ce que vous allez devoir ajouter de votre côté, c'est votre consommation de gaz pour les tacos gaz ainsi que l'électricité de l'appartement. C'est une provision, c'est-à-dire que si vous consommez moins, vous allez être remboursé. À cela s'ajoute que vous avez notamment une cave de 3 mètres carrés dans l'immeuble, ainsi qu'un emplacement de parking qui peut être disponible moyennant un supplément. Pour une visite, n'hésitez pas à répondre à ce mail et alors nous allons pouvoir visiter l'appartement à votre meilleure convenance. À très bientôt, au revoir.